On le souhaite, aller vers une décrispation de l'atmosphère politique dans notre pays. On n'a pas besoin de tensions. Le Sénégal a toujours été un exemple de paix, de fraternité, d'ouverture. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, au Sénégal de connaître une atmosphère tendue, de violence, n'est-ce pas, de non-respect de l'autre. Nous ne connaissons pas au Sénégal cette atmosphère-là. Il faut regretter qu'elle le soit, mais nous connaissons la sagesse des Sénégalais. Je pense qu'ils sauront se ressaisir pour que les choses redeviennent normales et que les gens vivent en paix et en fraternité. Il faut seulement mettre à la place de l'insulte le dialogue, le respect de l'autre, pour que s'instaure non pas l'insulte, mais un débat d'idées. Je crois que fondamentalement, c'est ça. Nous sommes une société aujourd'hui paisible. Et il n'y a pas de raison qu'on puisse rompre cette paix-là pour que nous soyons dans une atmosphère à peine acceptable. Et je pense que ce n'est pas impossible. Le peuple sénégalais est un peuple naturellement pacifique, n'est-ce pas? Un peuple de dialogue. Nous avons été catalogués dans le monde entier, en Afrique en particulier, comme un pays de dialogue, un pays de teranga. Il faut que nous continuions à cultiver ces qualités-là, à cultiver ces valeurs. Nous n'avons pas besoin de tension. Et chaque fois que l'occasion se présente, nous le ferons, nous contribuerons à renforcer cette solidarité entre nous, entre Sénégalais. Nous connaissons, c'est ça que nous connaissons, et non pas une atmosphère de violence. Ça, c'est très important.